C'est maintenant 95.2 FM. Merci de nous écouter sur les 95.2 ou bien sur internet sur le site ici-et-maintenant.com et même peut-être sur le canal 9A de la RNT. Alors, des Gilets jaunes lancent la première nuit jaune pour l'acte 11. Plus de deux mois après le début de la fronde, les Gilets jaunes cherchent toujours de nouveaux moyens de se réinventer pour s'inscrire dans la durée. Et la petite musique qui monte sur les pages Facebook dédiées à la cause, véritable agora de la contestation, laisse à penser que l'avenir du mouvement pourrait se jouer la nuit. Après l'appel quelque peu mystérieux lancé par Éric Drouet autour d'un visuel intitulé « La nuit jaune », plusieurs événements ont été créés sur les réseaux sociaux, dont le plus populaire prévoit d'investir la place de la République à Paris à partir du samedi 26 janvier, et ce jusqu'à la fin du grand débat national dans un esprit pacifique qui rappelle celui du mouvement « Nuit debout ». À l'heure actuelle, plus de 500 personnes ont indiqué qu'elles se rendraient sur la place emblématique de la capitale. Près de 4000 internautes se disent intéressés et le chiffre ne cesse de monter. Je cite, « Nos nuits jaunes ne seront pas violentes et menaçantes, elles seront citoyennes et pacifistes. Elles permettront de maintenir des rassemblements dans la durée. Nous profiterons de ces nuits pour débattre, échanger et revendiquer nos véritables doléances. » C'est ce qu'expliquent les collectifs organisateurs Nuit Jaune et Rassemblement des Gilets Jaunes Citoyens dans la description de l'événement. Le but affiché, je cite, « sortir du piège d'Emmanuel Macron qui constitue selon eux le grand débat national et élargir le mouvement alors que le président de la République tente de les isoler ou tente donc de les isoler du reste de la population en les discréditant. » Et pour cela, l'événement intitulé Acte 11, première nuit jaune des Gilets jaunes, doit permettre d'occuper le terrain pacifiquement, mais aussi faire remonter les véritables décisions et revendications du mouvement qui s'estime dans l'écrasante majorité spoilé par l'orientation donnée au fameux grand débat. Je cite, nous devons organiser une consultation importante citoyenne sur nos revendications et non pas sur les questions qu'Emmanuel Macron a décidées. Nous allons reprendre la liste des revendications que nous avons élaborées en décembre. Nous verrons lesquelles sont les plus populaire, c'est ce que détaille la description avant de confirmer que ces ateliers se tiendront dans le cadre des nuits jaunes, tout comme la construction d'une cabane jaune sur la place et la mise à disposition de cahiers de doléances. En résumé, ils veulent faire de ce lieu emblématique de la capitale leur rond-point géant, une occupation dans la durée qui ressemble forcément à s'y méprendre au mouvement social Nuit Debout qui avait agité Paris et certaines grandes villes françaises. C'était en 2016, souvenez-vous. Sans leader ni porte-parole officiel, eh bien les opposants à la loi travail de François Hollande, Emmanuel Valls, avaient occupé la place de la République pendant plusieurs semaines. Un accueil, une infirmerie, une cantine, même une radio dédiée à la cause avait notamment vu le jour au cours de cette mobilisation prenant davantage de démocratie animée par un désaveu global des responsables politiques. Le mouvement s'était éteint deux mois après son éclosion, pour rappel. Alors aujourd'hui, cette voilà, nouvelle idée de poursuivre les manifestations de Gilets jaunes durant la nuit se met petit à petit en place avec ces événements Facebook qui ont été créés et ces participants et personnes se disant intéressées sur ces pages donc de réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez d'après voilà la description sur la page Facebook? Ce sera évidemment des manifestations qui
Des manifestations pacifiques, plutôt calmes, mais qu'est-ce que vous en pensez justement? Est-ce que vous ne pensez pas que les risques de violence sont peut-être un petit peu plus durant la nuit? Vous avez la parole et vous pouvez partager vos différents arguments et réflexions avec nous par rapport à cela, si vous approuvez, si vous désapprouvez, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, on s'intéressera petit à petit, dans quelques minutes aussi, au mouvement des foulards rouges qui en ont plutôt marre, voilà, des manifestations de gilets jaunes. On va essayer d'écouter quelques extraits audio avec des gens se disant foulard rouge s'exprimant et parlant donc de leur agacement par rapport à ces manifestations qui durent donc depuis plus de 2 mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Où est-ce que vous vous situez par rapport à tout ça? Eh bien, ce serait intéressant de vous entendre, bien sûr, sur 95.2 avant d'écouter les extraits audio que nous avons sélectionnés pour vous, les extraits audio des différentes émission dans l'actualité, ce qui a pu se dire sur ces sujets donc que nous allons essayer de voir ensemble sur 95.2. Le numéro du standard vous donne cette possibilité d'être avec nous en direct très rapidement et le forum de la radio aussi rapide bien sûr, le forum.fm pour poster des messages et des commentaires sur les sujets. Le numéro du standard, je vais quand même vous le rappeler. C'est le 08 92 23 95 20.